Alors cette scène est admirablement mise en scène, tout, il faut la revoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul là en face de cette meute, donc comment peut-il les empêcher d'entrer? Ils sont bien décidés à entrer. Alors il essaie de parler, mais comme il le dira à un autre moment, dans un autre film, quand la violence est là, la parole n'a plus cours. Eh bien, il va tout de même essayer de parler. Et qu'est-ce qu'il fait? On a un suspense magnifique. Ce pauvre vieux qui a du mal à se baisser. Et il va tirer une marque comme ça. Il fait un grand trait tout le long. Alors ça les intrigue. Et déjà, c'est une force de l'humour aussi. On verra d'ailleurs que c'est en référence à une scène de l'Évangile. Ça, on verra seulement à la fin. I don't want to threaten you with this deadline. I just want to reason with you. That boy ain't been identified yet. These dogs identified him, didn't they? Sure! Il trace ce trait, et puis il revient au milieu. Et il leur dit... I'll kill the first man that crosses that line. I don't know which one of you is going to kill me, but I know which one of you I'm going to kill. I don't want to kill you, Judge. I don't want to kill anybody. But so help me God, I'll kill the first man that crosses that line. Even if it is my own brother, I'd kill him. Pourquoi ce geste? Et il me semble que le film éclaire ça. Que John Ford est peut-être plus théologien qu'il ne le croit, et qu'il le croit, et qu'en traçant lui-même cette limite, il a évité le lâchage, il a empêché cette monstruosité. Et cette scène m'intéresse, et ce geste m'intéresse, parce que notre monde moderne se fout éperdument des limites. Et que je crois que la limite, c'est le propre de l'homme, c'est le propre de la société, et il faut des limites. Et qu'est-ce que c'est qu'un film? Eh bien, c'est un objet qui a une durée définie. C'est encore au moins ça, du film. Cette règle que un film, ça dure 90 minutes ou 120, mais que ça ne peut pas durer tout le temps.